C'est le temps des récoltes ici, dans le village de Siladi, à l'ouest du Népal. Mais Sunita Tapamagar n'ira pas travailler dans les champs. Sunita a en effet eu une formation en tissage et elle va passer sa journée à tisser des textiles. Ces tissus seront ensuite vendus à des familles de travailleurs migrants ainsi que dans les magasins touristiques de la capitale. Le monde, pour beaucoup de femmes rurales au Népal, s'étend rarement au-delà du cercle familial. En conséquence, elles restent économiquement dépendantes des hommes. Sunita est l'une des plus chanceuses. Quand l'occasion s'est présentée d'acquérir de nouvelles compétences et de rejoindre un groupe de tisserands, son mari l'a encouragée. Aujourd'hui, elle est membre de Dhaka Productions, un groupe d'entraide soutenu par le Fonds international de développement agricole, le FIDA de l'ONU, en partenariat avec le gouvernement du Népal. Le Népal est l'un des nombreux pays qui s'emploie énergiquement à responsabiliser davantage les femmes, comme Sunita, afin de les sortir de la pauvreté, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015.